Le projet Kabam dans les arbres. Voilà. Donc, clarté sur ce projet. Donc, c'est un projet ressource. Ça permet de créer du lien aussi. Et par ailleurs, ça réunit bon nombre de mes talents. Et j'ai mes talents, mes qualités. Et l'environnement autour est propice à ça. Donc ça, c'est un point clé. Donc pourquoi ça? Alors la cabane dans les arbres, c'est vraiment un amour pour la nature, un espace de ressources, de recul. Aussi quelque chose que j'aime et qui me fait du bien. J'ai remarqué ça. J'adore bricoler, construire. Je suis quelqu'un de constructeur. Déjà tout petit avec les Lego, tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait. Donc ça me génère une énergie très positive. J'ai tous les outils qu'il faut autour de moi. Et ça crée du lien aussi social, familial. Ça, j'ai tous les outils par mon frère. Au niveau du travail, j'ai beaucoup de matériaux que je peux récupérer, des outils aussi. Donc il y a une certaine facilité. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça génère et il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ce projet-là, sans forcer. Et j'en parle autour, c'est comme un rêve, donc il dit de rêver, Franck, donc c'est vraiment bien. Comme un rêve de gosse, mais pour autant, il y a quelque chose d'adulte, parce que maintenant, c'est quand même. Faut raisonner, j'ai des moyens beaucoup plus conséquents et des outils plus dangereux, tout ça. Dangereux entre guillemets, mais ça, voilà. Donc ça, je suis très heureux et ça me porte vraiment dans le cœur et j'ai beaucoup de joie à faire les plans, dessiner les plans, aller recruter, partager avec mon ami, ma famille. Ça me permet de nouer des liens avec le grand-père aussi, de voir plus souvent. Voilà. Donc voici, je vous partage un de mes projets. Donc ça allie mes compétences. Voilà, et vraiment une bonne énergie. Bon, je me répète un peu là. Mais voilà, donc je suis très content. Donc ressources naturelles, liens sociaux, construction, compétences, qualité de vie, retour à la nature, ressources, valorisation aussi d'une terre qui est pas mise en valeur, qui est en train de se défricher. Donc c'est la ferme du grand-père, donc j'ai la chance de bénéficier de ça pour un coût réduit, un coût économique aussi, parce que nous on aime bien dormir la nuit dans les arbres, mais quand même une nuit c'est le truc à la mode, c'est 150 euros au week-end. Moi je suis près de mes sous, enfin c'est pas que je suis près de mes sous, mais mon style économique c'est plus fabriqué par qui je suis, enfin j'ai, ça marche plus comme ça, c'est plus dans mes valeurs, donc faire de la récup, mais quelque chose de qualité propre quand même, c'est pas, voilà, enfin bon bref, et très orienté permaculture dans le bon sens, l'autonomie, tout ça, donc voilà, j'ai suivi des formations aussi, un week-end de la permaculture, comme dit Franck, toujours se former et tout. Et là, une autre technique dans les stratégies de Franck, c'est la stratégie du pardon et beaucoup la présence. Moi, je suis très là-dedans et pour être un leader, quoi. Et là, j'ai fait une journée sur le pardon aussi. Et ça, je vous conseille à tout le monde. Bon, ça, je ferai peut-être plus une autre vidéo. Voilà, donc, c'est avec Jean-Paul Samputu et Laure Rousseau. Enfin, bon, bref, voilà. Longue vie à vous, les Sparkers, Et ben bon projet à tous. En tout cas moi ça me fait du bien. Un projet comme ça me ramène beaucoup d'énergie et de joie et d'enthousiasme. Voilà, je vais me. Et de fun, ouais, ça me.